Hey yo yo yo, salut les tarfeuses, salut les tarfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 26 septembre, direction Compiègne pour le prix des Masters de Feu de Compiègne, hein, carrément. Hey, 3800 mètres, 14 partants car le 3 est non partant, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet du lundi 25 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux et le quintet en 7 chevaux. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. C'est Idil Déné et on écoute mademoiselle Camille Pelletier. Bonjour mademoiselle. Oui, bonjour. Bah, il faut reconnaître qu'Idil Déné ne gagne pas souvent, hein, mais elle fait toutes ses courses. Bah, mardi, c'est une petite rentrée, mais elle a déjà bien couru dans cette configuration et elle a du travail derrière elle. De plus, je trouve qu'elle a pris de la force et de l'expérience. Hein. Certes, elle doit porter le plus gros poids, mais on en escompte une bonne performance. D'accord, ok, mademoiselle, bah, vous êtes plutôt confiante. Ah, tout à fait. Bah, très bien, bah, en tout cas, sachez, mademoiselle, que ce numéro 1, c'est lui mon préféré et je l'ai bien sûr installé en tête. On enchaîne avec le numéro 2, Cendrillon. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est André Sagnier qui est parti pêcher avec Arnaud Chaillé-Chaillé et Hugo Merian. Ils sont partis tous les trois, amusez-vous bien. Alors, du coup, ce numéro 2, lui aussi, je l'ai retenu, il me plaît bien, lui aussi, je l'ai mis 6e pour être exact. On passe au numéro 3 qui est donc non partant, hein, comme on a dit. Donc on enchaîne direct sur le numéro 4, Rock'n'Roll, et on écoute Michael Serreur. Bonjour Michael. Ouais, bonjour. Je trouve qu'en compétition, Rock'n'Roll, il a perdu confiance en lui. Hein. Et ses dernières sorties, bah, reflètent pas sa réelle valeur. Bon, cette fois, on va le monter patiemment. Et j'aimerais le voir décontracté, hein, pour qu'il finisse dans une bonne action. Bon, alors, dans ces conditions, il m'est difficile de le recommander chaudement. J'ai besoin qu'il me rassure et j'espère, hein, qu'il pourra accrocher une place. Ok, entendu, Michael, merci. De rien. Alors moi, ce numéro 4, lui aussi, je l'ai retenu. Eh ouais, en bout de combinaison, hein, mais je l'ai retenu. On passe au numéro 5, Inside Montléou, et on écoute Brian Bonnez. C'est à toi, Brian. Bonjour, Brian. Yeah, hello. Inside Montléou, il n'a pas été revu depuis la fin février en compétition. Il va logiquement manquer de rythme pour cette reprise de contact. Le but est de revenir au mieux pour le meeting de Pau. Pour mardi, je pense que sa tâche s'annonce très compliquée. Ok, d'accord, ça marche. De toute façon, moi, ton numéro 5, je ne l'ai pas retenu. Bon, maintenant, il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On va quand même lui accorder une petite note de méfiance. On enchaîne avec le numéro 6, Antelo Conti. Et on écoute Florian Belmer. Bonjour, Florian. Oui, bonjour. Antelo Conti reste malheureusement sur une chute en steeple. Hein. Bon, là, on revient en haie, hein, en essayant de vaincre le signe indien. Bon, il est très bien, hein, il s'était auparavant bien comporté à Clairefontaine. Les terrains qui se sont alourdis seront à son avantage. J'en attends un bon comportement. Ok, c'est noté. Alors, moi, cet Antelo Conti, ce numéro 6, du coup, c'est un... C'est un, 2, 3, pardon. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas d'en partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 7, Shaoli. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est Arnaud Chaillé, il est parti pêcher. Amuse-toi bien. Avec ses amis, hein, bien sûr, pas tout seul. Arnaud Chaillé. Du coup, ce numéro 7, il me plaît beaucoup. Moi, je l'ai mis très haut, je l'ai mis 3e. On enchaîne avec le numéro 8, Full Time, et on écoute Marcel Roland. C'est à toi, Marcel. Bonjour, Marcel. Oui, bonjour. Bah, le terrain collant, il devrait l'avantager, Full Time. Hein. Elle s'est déjà imposée à Compiègne par le passé. Elle reste sur un succès à Dieppe, et j'en attends une confirmation. Eh ben, on croise les doigts pour toi, Marcel. Ben, ça, c'est gentil. Du coup, ce numéro 8, lui, je l'ai pas retenu. On croise les doigts, mais je l'ai pas retenu. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Méfiance. On passe au numéro 9, Apollo Creed, et on écoute Gérard Lecomte. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Ben, Apollo Creed, il va effectuer sa rentrée, là. Il se plaît sur cet hippodrome, il est assez régulier. J'aurais préféré le voir en haut de tableau, en seconde épreuve. Voilà. Bon, il faut le voir, hein. Faut voir s'il est compétitif à ce niveau de compétition. Bon, comme il fait son retour en piste, je pense que ça va être difficile de le voir terminer dans les 5 premiers. Hein. Ok, pas très confiant, je comprends Gérard. Bah, sachez que ce numéro 9, moi je ne l'ai pas retenu.
On passe au numéro 10, Gold for Nizi. On écoute Donatien, sourdo, de beau regard. Bonjour, Donatien. Oui, bonjour. Eh bien, Gold for Nizi va effectuer, voyez-vous, sa rentrée. C'est une jument que j'ai récupérée en 48 de valeur. Je l'ai courue deux fois et elle s'est imposée deux fois. Alors, sa valeur étant désormais de 55, bon, il faut donc voir si elle reste compétitive à ce poids, voyez-vous. Mais tout à fait, je vois bien, Donatien, je vois bien. Très bien. Eh bien, en tout cas, moi, ce numéro 10, je l'ai retenu hein, en toute fin de combinaison. Attention, méfiance, hein, ils peuvent faire quelque chose. On passe au numéro 11, Celestial Sons. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, hein, c'est Hugo Merian qui est parti pêcher avec ses amis. Amusez-vous bien. Alors du coup, moi ce numéro 11, il me plaît beaucoup, il fait partie de mes préférés, je l'ai mis deuxième. On enchaîne avec le numéro 12, Idéal de Sierre, et on écoute Mickaël Serreur, encore vous Mickaël. Eh oui, encore moi. Bah, je présente Idéal de Sierre aussi. Bon, ici, déjà parce qu'il me paraît bien, déjà. Même si c'est un peu rapproché hein, de sa dernière sortie, ça va quand même être intéressant à suivre. Il y a des paramètres que je ne cerne pas, à savoir son aptitude au terrain très souple, et c'est un essai aussi dans ce genre de tournoi. Dès lors, cette course du coup elle va me guider hein, pour la suite, mais bon, je le trouve quand même très en forme actuellement, voilà. Ok, bah c'était un bon petit commentaire, bien complet, merci Mickaël, hein, comme d'hab. Bah, de rien. Alors moi, ce numéro 12, du coup, il fait partie de mes préférés, lui aussi, je l'ai mis quatrième. On enchaîne avec le numéro 13, Instar de rêve, et on écoute Noël Georges. Bonjour Noël. Oui, bonjour. Ben, Instar de rêve, il va effectuer sa rentrée là. Ben, il a plu là ces derniers jours et cela va l'aider en fait dans sa tâche. Ben, il est top, hein. Il aime bien l'hippodrome de Compiègne, il a un petit poids donc ben, il devrait bien courir. Hein. Ok, c'est noté, on confiant Noël. Oui, oui. Ben, moi je l'ai retenu lui aussi ce numéro 13 et je l'ai mis 5e. On passe au numéro 14, UPK de T, on écoute Erwan Graal. Bonjour Erwan. Bonjour. Vapo, après avoir éjecté son partenaire UPK de T, il a foncé dans une barrière, le con. Ah, il a connu une interruption pour être soigné, le pauvre. Eh ben, ça arrive. Hein. Bon, mardi, c'est une grosse rentrée. Hein. Il aura très certainement besoin de courir pour revenir au mieux. Hein. Eh oui. Ah, je pense que cette course lui sera bénéfique pour la suite, où il trouvera bah, des engagements plus faciles, disons. Ok, bah merci Erwan. De rien. Alors du coup, moi ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu, mais c'est quand même un regret. C'est lui mon deuxième cheval de complément au cas de non partant. Donc attention tout de même. Et on termine avec le numéro 15, c'est Razango, et on écoute Régis Bertin. Bonjour Régis. Bonjour. Bien, à 12 ans, je ne vous présente plus Razango. Hein. Ses dernières performances sont en demi-teinte, certes, mais il n'a pas trouvé le terrain lourd qu'il affectionne. Bon, après, il aurait été certainement mieux situé en deuxième épreuve, je vous l'accorde. Mais en première, il n'est pas hors d'affaire pour les places, d'autant que sa forme est certaine. Bon, il est très à l'aise hein, sur le tracé de Compiègne. J'en attends une bonne prestation, hein, tout simplement. Ok, c'est noté. Bah, moi, ce numéro 15, je l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui le chef hein, et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Le pronostic, ça donne As, 11, 7, 12, 13... 2, 4, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.